Jodi a, c'est 9 octobre. Bienvenue dans la fête la belle. C'est 282 jours dans l'année qui a fini dans 83 jours. Fête la belle dit, j'étais tout problème, tout stress, tout tête fait mal, tout tête chargée dans la poubelle. À chaque jour suffit sa peine. Bonne fête à tout le monde qui a fêté aujourd'hui. La fête la belle, c'est une source richesse, une source information. Et 24 sur 24 pour marquer www.fetelabelle.com et vous avez toute information. On a fêté en grand genre avec Madame Stavella Otello. La fête anniversaire naissance le jeudi. C'est un fanatique fête la belle et la capté nos côtés liés là. Bonne fête, cher ami. À nous la prier ensemble. Nous remercions bon Dieu Papa, petite lac l'Esprit Saint, pour être nous te dormir, nous lever, nous voyons l'autre journée. Merci pour l'anniversaire naissance, nous. Merci pour tout ça vous faites pour nous et ça va continuer à faire pour nous. Nous demandons toute la cour céleste là, protection et bénédiction pour nous-mêmes, pour prochain nous, et pour amis nous, pour voisins nous et pour pays nous, au nom de Jésus. Nous avons commémoré, nous avons célébré aujourd'hui la fête Saint-Denis de Paris, un saint qui était refusé de mourir. Nous avons célébré tout Saint-Jean Léonardi et Saint-Abraham, patriarche là. Nous avons réfléchi sur le concile de Trente et sur le monde qui changeait nom dans la Bible. Une belle vidéo pour Mathéa. Qui ça qui est nouveau? Eh bien, nous avons cinq qui ont coupé tête libre, mais qui ont continué à marcher, à prêcher. Nous avons parlé du concile de Trente et puis nous avons parlé des monde qui changeait nom dans la Bible. Pensez-nous aujourd'hui à prendre précaution avec maladie corona après danse tamboulou. À nous continuer à fêter avec Fête la Belle. Saint-Denis de Paris, Saint Rusticus et Saint Eleutherius.
Eh bien, Mounsayo semblait être mort dans l'année 250 comme ça. Saint-Denis de Paris, c'est un saint qui était refusé de mourir. Dans le pays de la France, dans l'époque, littéralement la Gaule, ce n'est pas des persécutions empirées des séistes et faits chrétiens au passé. Alors, Pape Fabien te voyait Denis, un Italien, avec une autre série missionnaire, Rusticus et le Terrius, pour essayer de rétablir la foi chrétienne dans le pays. Missionnaires étaient arrivés tout près de ville Paris. Ils ont établi base au bord rivière la Seine et ils ont construit l'église. Ce n'est pas des prêchés, mais c'est eux qui prêchaient. Il y a un peu de monde qui était converti. C'est comme ça tout il y a un peu de jalousie. Un peu de monde qui était fâché tant que quelque autre peuple pareil à l'autorité de l'État. C'est quelques chrétiens même qui étaient forcés gouverner Sicinius pour éliminer les missionnaires. C'est comme ça qu'ils ont été arrêtés Saint-Denis, Rusticus et Eleutherius. Ils ont été torturés et puis finalement coupés tête. D'après une légende, après ils ont été fin coupés tête Denis, Cora t'es levé. Il prend tête là devant tout le monde et il marchait, continuait prêcher. Environ 6 000, ça veut dire 9,65 kilomètres. Avant de réussir, tomber et mourir. Donc, si nous checkons sur YouTube, nous avons une histoire ça tout. Donc, c'est un saint, il a fait une coupe de tête, li, mais il était levé, il prend tête là, et puis il fait tête là, continuer à prêcher. Il marchait avec elle pendant 9,65 km. Alors c'est une légende qui écrit. Il y a une église qui était bâtie côté où était enterré trois missionnaires. Ils étaient venus bâtir une basilique sur lui. C'est là où les Français ont enterré. Quand on a parlé de Saint-Jean Léonardi, il était fait en 1541. Et parenthèse, la ville était fermée ici-bas en 1609, il était en paix. Jean-Léonardi, c'est un monde qui travaille pour purifier, nettoyer, réformer l'Église catholique. Après le Concile de Trente, là, il a défini tout changement qui était gain pour fait. L'Église là, était à coup un pied-bois qui était besoin émondé, nettoyé, après la réforme protestante. Te vle déchouquel. Jean te fait na yon gran famille qui te gen principe. Travail di, l'ordre, conversation ak l'amour pou bon Dieu. Comme ça, il était capable de tracer chemin spirituel li. Il était étudié d'abord pharmacie et puis ensuite théologie. Il était sacré père en 1572. Il était spécialisé dans le travail paroisse li ak et accent sur jeunes, en particulier pendant le pas négligé visite l'hôpital et prison dans le pays Italie. Jean était sacré à temps comme père pour être capable d'appliquer avec fougue recommandation Concile de Trente là dans l'Église catholique. Comme il était fait travailler bien, à pile fidèle était qu'on visitait et puis prier avec lui. C'était commencement fondation et une congrégation, mais qui pas jamais arrivé fondée à cause méchanceté quelque monde. Il était obligé de déménager à Rome quand il a rencontré Zamili Philippe Neri. Jean était un fanatique, 40 heures de jeûne et adoration Saint-Sacrement. Il était quoi tout petit monde, il était doué apprendre le catéchisme bien bonnet pour formation religieuse. Vers l'année 1600, avec l'idée li, livre li te écrit, et Caris li,
Eh bien, Père Charles Léonardi te tourné un farouche défenseur contre la réforme. Il était toujours abdi, c'est ou bien ou gen Christ ou bien ou pas naïe dit tout. En 1609, Jean Léonardi était tombé malade. Il était pris maladie moun, il était essayé de soigner. La congrégation était fondée, Clerk Regular of the Mother of God. Eh bien, la congrégation ça a continué. Jean Léonardi était canonisé en 1938. Saint Jean Léonardi, c'est patron tout pharmacien. Et pour finir, on a parlé de Saint Abraham. Abraham t'a vécu environ 2000 ans avant Jésus-Christ et une fête. Donc c'était patriarche là avant que ça n'existe. Il t'a vécu environ 2000 années avant Jésus-Christ. Ça veut dire Abraham t'a gagné là 4021 années depuis qu'il était passé sur la terre. Avant bon Dieu te relèl, non li te Abraham, qui te vle di papa. Le bon Dieu relèl, bon Dieu change non Abraham, nan an Abraham. Ça vle di grand papa, papa en pile nation. Postérité Abraham, a pi plus passe étoile qui nan ciel là. Abraham te joué une bénédiction bon Dieu pour te vin papa en pile nation après il te fin prouver bon Dieu obéissance li. Bon Dieu te mandé Abraham pour te touye et sacrifier celle grande petite Léa Isaac. Eh bien Abraham pas de penser, il pas hésiter faire ça. Et depuis le ça, non seulement Abraham te papa la foi parce qu'il était décidé à aller yon côté bon Dieu te voye li pat même konnen, mais li te vini tout et yon un grand papa toute nation bon Dieu te benil. Abraham vin semblé ak bon Dieu parce qu'il a accepté sacrifier sel grain petit garçon Léa. Même Jean bon Dieu accepté sacrifier sel grain petit Léa Jésus pour sauver l'humanité des péchés originels. Abraham pa gen tan sakrifye Isaac, bon Dieu te rete brali ak koutou an men li. Abraham te wè yon bélier ki te rete kole nan raje ya, li te sakrifye bélier ya nan plas pitit li Isaac. Abraham se yon personnage ki important an pil nan la Bib. Nou jwenn nan li au commencement Nouveau Testament nan l'Évangile Saint Matthieu. Nous jouons dans la deuxième prière après consécration dans la messe de l'Église catholique. Là. La Vierge Marie mentionnée dans la cantique Magnificat. Là. Et la Vierge Marie relè tout le monde qui considère lui-même comme Maman Jésus. Et bien, elle considère Mounzaïe comme une semence d'Abraham. Abraham est mort à l'âge de 175 ans. N'a pas retourné dans un petit moment pour réflexion.
à nous réfléchir. On a parlé du Concile de Trente. Concile de Trente, qu'est-ce que c'est? Le Concile d'abord, c'est réunion, puis assemblée, tout évêque, l'Église catholique, alors, ensemble avec le pape là, pour y bien déterminer. Pape Paul III, qui était 220e pape, était convoqué au Concile de Trente là en 1542. Et il était fini, le Concile là était fini en 1563. Ça veut dire qu'il était duré entre 21 et 22 années. Pendant l'année, il y a eu un temps et gagné 4 autres papes qui étaient passés pape-pape dans le Vatican. Ça veut dire 5 papes ont assisté au Concile de Trente-là. Le Concile de Trente-là, c'était une façon pour répondre à la menace protestantiste-là. Ça veut dire la réforme protestante qui était dérapée en octobre 1517 avec Père Martin Luther. C'est donc un mouvement réforme contre réforme. Pendant le Concile de Trente, il y a 25 sessions qui étaient organisées dans 3 villes différentes et il était divisé en 3 périodes. La première période, il y a 8 sections là-dedans, 8 sessions, et qui étaient commencées le 13 décembre 1545 et il était fini le 17 septembre 1547. Il était plus débattre questions théologiques dans le péché originel, justification, sacrement. Deuxième, il a gagné 8 autres sessions, et bien il était deux décrets, il a sorti deux décrets, un sur l'Eucharistie et l'autre là sur la doctrine pénitence. Ak extrême onction sacrement pour maladie. Et troisième là, tu gagne 9 sessions là-dedans et yo te plus misé sur question sacrement yo, tant que mariage et yo te misé tout sur vénération et affaires saint yo. Donc ça te fait à tout 25 sessions. Konya d'après moun ki chaje nou dans la Bible. Nous te voyons, bon Dieu te change nom Abraham en Abraham. Bon Dieu, quand tu changes nom, yon moun, pour lui baler yon nouvelle identité, yon l'autre signification. Nous parlons 16 moun, nous te changé dans la Bible, ou bien c'est bon Dieu qui te change nom, ou bien c'est Jésus, bon, qui bon Dieu qui te change nom, ou bien c'est eux-mêmes qui te change nom. Nous avons Adam, bon, nous connaissons c'est bon Dieu qui te baille non. Abraham, c'est bon Dieu qui te chargé non. Et de Abraham en Abraham. Sarah, eh bien, Sarah Terrelle et Sarahi, bon Dieu chargé non. À Sarah, bon Dieu te baille non. Isaac, c'est bon Dieu qui te baille non. Ça. Bon Dieu tout te baille non. Ismaël, c'est bon Dieu qui te dicte non ça yo. Bon Dieu te changé non Jacob qui te voulait dire trompeur et bien il était venu relé Israël. C'était moi et bon Dieu te dit prophète Isaïe pour te relé petite li Maher Salal Hashbaz. Et huitièmement et bon Dieu te dit pour petit et prophète Osée te relé petite Léa Jezreel. Nous ça na Osée chapitre 1 verset 4. Et bon Dieu te dit encore l'autre petite Léa pour relé petite et l'état fait Lo Ruhama na Osée chapitre 1 verset 16. Nous retournons dans Osée chapitre 1 verset 9. On l'autre petite petite Osée, t'a fait un petit, bon Dieu te dit pour reler Lo Ami. Avait dit que bon Dieu te non ça a une signification pour dire que
yo même yo pas petit bon Dieu lui même il papa yo encore bon Dieu était fâché vous j'aurais été comporté yo Noé Naomi te changé Noé en Mara dans 8 chapitre 1er verset 20 Noé c'est un ange et qui te dit Zacharie pour te reler petit Léa Jean-Baptiste dans Luc chapitre 1er verset 13 ou bien verset 57 à 63. Bon, non Jésus a ces anges là même qui te dit c'est comme ça pour les petites là parce que son nom qui sortit en l'air non ça pas redescendre sur la terre dans Matthieu chapitre 1 verset 21. Et Noé Jésus te chargé non Simon en Pierre en Cephas était dit c'est sous Pierre ça la bâti l'église li. Galates chapitre 2 verset 12. Noé Jésus te chargé non Saul en Paul travail apôtre chapitre 13 verset 9. Noé Jésus te chargé non Lévi en Matthieu chapitre 9 verset 9. Noé et Joseph te chargé et Barnabas te chargé en Joseph d'après ça dans travail chapitre 4 travail apôtre chapitre 4 verset 36. Donc c'était réflexion non sur concile de Trente et sur environ 16 monde qui changeait non à la Bible parmi un pilote. À demain si bon Dieu voulait, c'était 6 belles fois pour fête la belle.